Salut mes cafardinos, comment vous allez aujourd'hui? Est-ce que la rentrée ça se passe comme vous voulez? Dites-moi un petit peu en quelle classe vous êtes, s'il y a des choupettes sympas dans vos classes, tout ça, envoyez des photos qu'on valide par la street là, que le manchette crew, les cafardinos là, ils sont là, on se met quelque chose sur la dent, je sais pas moi, tac, tac. What? Sur la dent? Malek, c'est annulé, triche, je me désabonne! Bon allez mes cafardinos, aujourd'hui vidéo sérieuse, si vidéo sérieuse sur les retakes, les reprises BP, un petit peu le principe général sur les retakes qui va vous sauver un peu des rounds quand vous êtes vraiment pas bien et tout ça et tout ça et tout ça. C'est pas, il y a plusieurs manières de reprendre le BP et tout ça, je le ferai en plusieurs épisodes, mais en tout cas il y a un principe général qui vient 8 fois sur 10 parce que c'est vraiment les reprises un peu bourbier. C'est ce que j'appelle le train-train, donc on reprend en mode file indienne, chouchou, on se suit, on joue les revenge, etc. etc. Vous avez vu ma vidéo, le tuto là sur les principes de jeu, le premier épisode, les décales FF. Bah, en gros, ça va être un peu sur le même principe. Et en gros, on va décaler. Imaginons qu'on soit 3 dans la kitchen, ça vous arrive vraiment souvent d'être comme ça. Donc ne me mentez pas. Et là, on doit reprendre. Ça sert à rien qu'il y en ait qui reprennent dans le L et qu'il y en ait qui reprennent dans la window. Ou alors on reprend vraiment en même temps, déjà. Mais comme ça sera, vu que vous jouez avec des Ruskov toute la journée et que vous jouez avec des Nova 4, des Nova 2, des Global Elite Battle Scare, de Wellworn, tout ça, genre que ça comme que dalle, que ça laisse mourir ses potes, qu'il y en a un qui se refait les lacets là-bas au spawn CT parce qu'il se chie dessus, il y en a un, il a pris une petite flash, il y en a un, il est low HP. Enfin voilà, on va pas se mentir, ça se passe comme ça. Donc le plus simple, c'est vraiment d'être collé file indienne. On prend là et wouh! On saute tous dans la fenêtre. Ou alors on reprend tous là ici dans le L et on y va tous. Et donc là c'est décal FF. Donc c'est 1, il est focus, il est dans son tunnel. Son tunnel c'est ça. 1, son tunnel c'est ça. 1, son tunnel c'est ça. Mais on part tous du même point. On part tous du même point et on se split. D'accord? Et là après c'est bah, décal FF. Donc ça veut dire que chacun a sa ligne. Donc c'est gauche et là je reprends comme ça. Le deuxième, il est là comme ça. Hop, et il reprend comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le troisième, il est là et hop, il suit comme ça. D'accord? Et vous voyez, on reste collé en fait. Là, sur tout le moment, on reste collé. On reste collé. Et s'il y a un kill, boum, revenge. Direct. Donc lui, il sort. Un forest, un forest, un forest. Bah lui, il était là. Un forest, un forest, un forest. Il le tue. Après, un BP, un BP, un BP. Et donc lui, il était là. Un forest, un forest, un forest. Mort, un BP, un BP. Mort. Et on joue les trades, on joue un pour un, on joue un pour un, on joue un pour un à chaque fois. Et c'est le principe le plus simple pour mettre en place des retakes un petit peu synchronisés. C'est en mode go, on y va tous ensemble. Après, si vous êtes split, etc., qu'il y en a qui arrivent par l'appart, qu'il y en a qui arrivent par la corne, qu'il y en a qui arrivent par la kitchen, bah, on joue toujours là où on pense qu'on a l'avantage. D'accord? Donc, imaginons que corne, il soit smoké, bah, c'est jamais le mec corne qui va avancer. Jamais le mec appart non plus parce que l'appart, il y a toujours une fouine qui est là, qui garde la ligne, ou des mecs qui sont vraiment en ligne cassée, que vous devez tout check sur l'appart, ou des trucs comme ça. Alors que la kitchen en général, c'est vraiment des lignes un petit peu ouvertes, où vous avez un peu l'avantage, prendre un peu des informations avant d'envoyer le backup, avant d'envoyer la reprise, de call la reprise, de dire go go go, on reprend. Attendez les gars, freeze un petit peu, je prends les infos vite fait. Je vois rien. Peut-être qu'il y en a un corne, je sais pas. Attends, je te lâche le corniche. Si tu veux, je peux te le flash corne. T'es chaud, je te le flash. Ça part. Bon, je te les bait. Là, il reprend corne. Là, ok, vas-y, go, go, on y va tous ensemble. Et là, bam, 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 ça reprend dans tous les sens et on synchronise le truc. Mais prise d'information avant. Donc voilà pour les reprises BP. Par exemple, là, il y a deux petites manières là de faire ça. Voilà, je voulais vous montrer comme ça. Je ferai d'autres épisodes dessus. Enfin, je ferai un autre épisode dessus pour vous montrer une manière un peu plus élaborée qu'on utilise en équipe vraiment pour faire les bails. Donc voilà, merci mes cafardinos. N'oubliez pas de lâcher un maximum de likes sur la vidéo, un maximum de commentaires. Il y a tous mes réseaux sociaux, donc merci à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. C'est super important de monter les statistiques dans tous les sens parce qu'on va aller braquer la Lambo, vous le savez, on va aller rouler en Lambo et tout le monde aura droit à son tour dans le parking. On l'a déjà dit, avec les choupettes de votre école, bien sûr. Genre, on vient pas. Ah, on connaît, on connaît, on connaît. Malek, il veut baiser ma copine! Je me désabonne!